Malgré le fait que l'Égypte ait réussi à arriver au premier rang en Afrique en ce qui a trait à attirer les investisseurs, les chiffres montrent une légère baisse par rapport aux années précédentes. Et c'est aussi un phénomène mondial, pas seulement en Égypte. Un certain nombre d'hommes d'affaires ont étudié les moyens d'attirer plus d'investissements dans le pays. Nous disons au gouvernement que le secteur privé peut jouer un rôle important dans la lutte contre les obstacles administratifs rencontrés par des investisseurs. Notre objectif principal est de résoudre les problèmes qui entravent les investissements dans le secteur industriel, tels que le transfert de terrain pour des usines, c'est très difficile. Une foule de réformes économiques ont abaissé le taux d'inflation, stabilisé la livre égyptienne et tué le marché noir des devises. Des incitatifs ont été mis en place pour attirer les entreprises, mais certains investisseurs disent qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Il s'agit principalement de rendre le climat d'investissement confortable, facile et prometteur. Nous avons notamment besoin de réduire la bureaucratie et, en second lieu, de procurer des avantages aux investisseurs étrangers. L'Égypte est considérée comme une destination attrayante pour de nombreux entrepreneurs. La Chine a été l'un des pays qui investit de manière significative en Égypte. C'est le premier pays à établir une ville industrielle dans la zone du canal de Suez avec plus de 100 usines chinoises. Nous avons déjà effectué des échanges commerciaux bilatéraux de 12 milliards de dollars l'année dernière, mais le potentiel est énorme. Nous travaillons avec le secteur privé ici pour essayer de leur expliquer comment travailler avec les sociétés d'État et le secteur privé et faire affaire avec la Chine. La plupart des investissements actuels sont orientés vers les secteurs de l'immobilier et des services tels que le tourisme. Mais les experts se concentrent désormais davantage sur la production industrielle. Pour les investissements, nous concentrons nos efforts sur les industries du textile, de la sidérurgie, du pétrole et du gaz. Certaines entreprises chinoises peuvent également aider ces industries. L'afflux moyen d'investissements directs étrangers au cours des trois dernières années a été de 6 milliards de dollars par année. Les experts disent qu'une fois que les nouvelles incitations seront mises en place et les formalités administratives seront réduites, les investissements pourraient dépasser 10 milliards de dollars par année.